Il y a eu quelques, il y a quelques années une série d'incendies et j'ai pu, pu prouver et j'ai pu montrer que les prescriptions pour les travaux sur le monument historique étaient insuffisantes. Je demandais une loi, je demandais qu'on fasse quelque chose, manifestement on n'a rien fait. Et si la piste se précise, là il va falloir vraiment que les responsables euh, soient, soient désignés parce que c'est inadmissible. J'ai eu hier un architecte en chef, des, un architecte du patrimoine qui m'a dit qu on pouvait tout à fait éviter cela. Avec certaines mesures qui manifestement n'ont pas -ce été prises. Qu'est-ce qui n'est pas mis en place là Par exemple, quand il y des, quand, euh, manifestement il n'y avait plus d'ouvriers. De, de, il y a des points chauds, il faut savoir qu'il y a des points chauds qui arrivent, c'est-à-dire qu'on fait du soudage, on fait des travaux. Les ouvriers avaient terminé apparemment ils leur terminé, journée. Hein. Mais oui, mais c'est après que ça prend. Et s'il ouais. n'y a pas une détection suffisante, il, peut, il y a des moyens de détection immédiates qui permettent d'agir très vite. Et manifestement, ça a flambé beaucoup, très vite mmh. et, et d'une manière qui n'est pas normale il euh, y, y a un problème il y a un problème moi je ne suis pas spécialiste oh simplement oui. j'ai étudié cela et je peux vous dire que la plupart des spécialistes disent que, 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 que ce qui s'est passé n'est pas normal